2020, beaucoup de gens s'accordent à dire que c'est l'année de la mobilité. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Ils ont toujours quelque chose à dire. Oui, bonjour. Parole d'expert. Salut à tous et bienvenue dans You Face Events. Alors vous le savez, le salon de la moto et de la voiture vient de fermer ses portes au Ezel à Bruxelles. Il y a eu énormément de visiteurs et une des questions qui était vraiment sur toutes les lèvres, c'était la mobilité. Alors en ville ou même à la campagne, on se dit est-ce que la voiture est encore nécessaire pour des petits trajets ou même certains longs trajets? Eh bien on a rencontré Lutte Callebaut qui va nous parler du deux roues. Je suis Lutte Callebaut de la concession Brussels Racing. J'ai 30 ans d'expérience dans les deux roues et moi-même, je roule en moto, évidemment. Ik spreek ook Nederlands, Engels, Duits en ook een beetje een Albanees. U zegt het maar. En entrée de gamme, je vous propose l'Agility City 125. Ça, c'est le véhicule pour moi, pour les jeunes. C'est un véhicule, en fait, pour tout le monde, avec un prix de 1 899 €. C'est le moins cher de toute la gamme et qui peut aller aussi bien pour les jeunes en 50cc qu'en 125. C'est le véhicule pour tout le monde et les jeunes, à partir de 16 ans, l'adorent. Je vais aussi vous présenter encore un modèle pour la ville et ça c'est le Downtown 125. C'est un modèle qui est un peu plus luxueux que le Xtam 125. La différence ici pour le Downtown qui a le système ABS. À la base, il y a ici les platines latérales, frontales. Il y a évidemment le Nudu. Ça veut dire qu'il y a le système GPS sur ce modèle. En dessous de la selle de la 350, il y a un très grand coffre pour deux casques intégrales. Il y a aussi pour des gens qui ont besoin de l'autoroute. Cette version existe aussi en 350. La référence chez Kymco, c'est l'AK550. Avec deux étriers, c'est une bicylindre avec le système freinage Brembo. Et le plus important, qu'il n'y a aucune autre marque, ça c'est les amortisseurs flottants. La nouveauté pour 2020 chez Kymco, c'était 125. Pour la mobilité en ville, c'est le véhicule qu'il vous faut. Avec le 125, vous pouvez aller jusqu'à 100 km/h. Le véhicule est aussi bien pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Mais le plus avantageux, c'est le plancher plat. Les femmes, ils adorent ça. En dessous de la selle, il y a un grand coffre de rangement. Last but not least, le sportif de Kymco, le Exciting 400, avec son double étrier, monocylindre, son avantage, il est très étroit, avec une belle maniabilité dans la circulation. Et sans oublier que le prix est très abordable pour un 400cc. Et maintenant, je vous attends dans mon showroom, Brussels Racing, rue de la Pastorale 74 070 Anderlecht, avec des conditions exceptionnelles à partir de maintenant. Voilà, je suis certain que ce reportage vous a plu. N'hésitez pas à aller découvrir tous les modèles et de rencontrer Lutte Callebaut. Voilà, merci de nous avoir suivis. Avant ça, avant de se quitter, une chose très très importante, notre adresse email. Si vous aussi vous avez envie de nous rejoindre, que vous soyez entrepreneur, concessionnaire de voitures, quel que soit votre domaine, You Face Events est vraiment la solution pour communiquer. Allez, on vous dit à très bientôt. Partagez YouFace, le premier réseau média dédié aux events, en direct et en replay.